So the presentation today will be bilingual. Whatever I say in English, I'll say in French and vice versa. Donc la présentation d'aujourd'hui va être bilingue. Ce que je dis en français, je vais le dire en anglais et vice versa. The first or second rather slide in the presentation shows the various targets that have been mentioned, as well as the baseline scenario, as well as a very high-level summary of the measures, just to situate things and put them in perspective. So there's the Environment and Climate Change Canada reference case emissions in 2030, and that's the emissions, estimated emissions after the implementation of a $50 per ton carbon levy. That's 674 megaton of CO2 equivalent. Then there's the Paris target, 511 megatons of CO2 equivalent. Then in December 2020, the government introduced its Healthy Economy, Healthy Environment policy suite, which aims to reduce emissions to 503 million of tons of CO2 equivalent by 2030. Subsequent to that, Budget 2021 also made a commitment for Canada to reduce its greenhouse gas emissions to 468 megatons by 2030. And after Budget 2021, the Prime Minister also committed to further reductions in emissions to something between 402 and 438 megatons of CO2 equivalent by 2030. These various targets are supposed to be met by a mix of price measures and non-price measures. Price measures, well known, the carbon levy, which is set to rise to $50 per ton by next year, and the government has subsequently announced that it would further increase to $170 per ton by 2030. There's also a more stringent output-based pricing system under which a good proportion of industrial emissions will be sheltered from the levy, but that proportion that is sheltered from the levy will decrease to foster efficiency gains in these sectors. There are also other measures such as building retrofits, transportation policies for clean fuel standards, subsidies for electric vehicles, clean technology programs, subsidies and tax credits, and these are just a few examples. Donc, il y a des cibles ambitieuses qui ont été adoptées par le Canada, successivement de plus en plus ambitieuses. D'abord, le gouvernement, via Environnement et Changement Climatique Canada, s'est engagé à réduire les émissions à 674 millions de tonnes d'équivalent CO2 par l'entremise d'une tarification sur le carbone de 50 $ la tonne, qui devrait atteindre ce montant-là en 2022. Il y a la cible de Paris que le Canada s'est engagé à atteindre d'ici 2030, qui est de 511 mégatonnes. Le gouvernement s'est aussi engagé à réduire les émissions de gaz à effet de serre au-delà des cibles de Paris, en vertu de son programme d'un environnement sain et d'une économie saine, annoncé en décembre 2020, dans lequel il visait des émissions de 503 mégatonnes. Et ensuite, eu un engagement additionnel dans le budget 2021 de réduire les émissions à 468 mégatonnes. Et finalement, il y a eu un engagement additionnel du Premier ministre après le budget de réduire les émissions du Canada davantage afin qu'elles s'élèvent à entre 402 et 438 millions de tonnes de CO2 équivalent. Et l'atteinte de ces diverses cibles-là va se faire selon plusieurs mesures. La plus connue, c'est la tarification sur le carbone, comme j'ai déjà mentionné, 50 $ la tonne de CO2 d'ici 2022. Et cette tarification-là va augmenter à 170 plutôt, dollars par tonne de CO2 équivalent d'ici 2030. Mais il y a aussi une série de mesures
non tarifaires, par exemple des incitatifs pour la rénovation des bâtiments, des politiques favorisant le transport en commun, favorisant aussi l'inclusion de carburants propres dans les carburants fossiles, et des subventions à l'achat de véhicules électriques, des programmes de technologie propre, des subventions, des crédits d'impôt. Et il y a beaucoup, beaucoup de mesures dans ce domaine-là, comme je suis certain que vous êtes au courant de la plupart de ces mesures. Donc, l'objectif du rapport d'aujourd'hui, c'est d'une part de faire une analyse des politiques qui vont permettre l'atteinte de l'annonce du budget de 2021, qui est de réduire les émissions de 674 à 468 mégatonnes. Environnement et changement climatique Canada a publié une analyse en décembre 2020 sur les moyens de parvenir à 503, mais n'a pas fourni d'analyse encore sur les politiques annoncées pour l'atteinte des cibles du budget 2021 d'émettre moins que ou un maximum de 468 mégatonnes. Donc, la question qui se pose, c'est quelle réduction va permettre d'obtenir la tarification sur le carbone à 170 $ par tonne de CO2. On a aussi décidé de faire un examen des mesures non tarifaires qui vont être nécessaires pour l'atteinte de la cible de 468 mégatonnes et on tente d'en estimer un coût sur un scénario optimiste. Par contre, les mesures additionnelles requises pour atteindre la cible qui a été annoncée après le budget 2021, donc les réductions additionnelles qui viseraient à une émission s'élèverait à entre 402 et 438 mégatonnes, ne sont pas incluses parce qu'il n'y a pas suffisamment de détails. So the focus of today's report is to analyze policies that get us, that will or should get us to budget 2021 announcements, which aim for emissions to be reduced from 674 megatons to 468 megatons. Environment and Climate Change Canada published analysis in December 2020 for getting to 503 megatons, which is lower than the Paris target. But they haven't published an analysis yet of announced policies to reach the budget 2021 announcement of 468 megatons. So the main issue for us is how much is achieved by increasing the carbon levy to $170 per ton? And also, what's the implicit price of the non-price policies, the regulations, the standards, the subsidies that allow Canada or will allow Canada to get to 468 megatons. These have a cost, even though it's not explicit. They have an implicit cost, and we try to estimate that. What we haven't looked at or considered is the cost of further reducing Canada's emission to meet the additional target set by the Prime Minister subsequent to Budget 2021 to have emissions that are between 402 and 438 megatons. So the contribution of higher carbon levy alone is depicted on this chart. So the top dotted line is the base price or the base case scenario. That's with only a $50 per ton price or carbon levy with a very rudimentary OBPS, which was the previous policy. Subsequent to that, the government announced a more refined output-based pricing system, as well as an increase in the price of carbon to $170 per ton of CO2 equivalent by 2030. And that is sufficient to reduce emissions to 578 megatons. But further reductions are necessary, and these are achieved by non-price measures, which are explained at a high level in the report to get us to 468 mégatonnes by 2030. Donc, sur le graphique, on voit que la contribution de la tarification sur le carbone n'est pas suffisante pour atteindre les cibles de 468 millions de tonnes d'ici 2030. Le scénario de base, qui est une tarification du carbone de $50 la tonne,
est représentée par la ligne pointillée supérieure, en bleu foncé, qui nous amène à 674 mégatonnes d'ici 2030. Le système de tarification fondé sur le rendement ainsi que la tarification additionnelle de 120 $ pour amener la tonne de carbone à 170 d'ici 2030 permet une réduction de 96 mégatonnes d'ici 2030, mais il y a évidemment un écart à résorber qui va être comblé par les mesures non tarifaires, ce qu'on va tenter d'estimer, on va tenter d'estimer leur coût. Donc, afin d'atteindre la cible de 468 mégatonnes du budget 2021, il y a une combinaison de mesures tarifaires et de mesures non tarifaires qui est nécessaire. La diapo suivante montre les réductions sectorielles des émissions basées sur notre modèle. Et notre modèle montre que les réductions les plus importantes avec une tarification du carbone et le système de tarification basé sur le rendement, donc ces deux mesures-là uniquement, feront en sorte que le secteur de la production d'électricité va réduire ses émissions d'environ 31% comparativement au scénario de référence et que les autres secteurs vont réduire leurs émissions entre 13 et 23%. Avec une contribution de l'agriculture et du secteur des déchets qui va être somme toute marginale. So the sectoral breakdown of emissions reduction generated by an additional carbon levy of $120 per ton to reach $170 per ton, together with output-based pricing system, shows that the main contributor is the electricity generation sector in proportion. So a reduction of 31% of emissions by the electricity sector, with other sectors contributing anywhere between 13 and 23% for buildings, heavy industry, oil and gas, and transportation sectors, and the agriculture and waste sectors contributing only marginally to the reductions in emissions overall. We also have looked at the labor market impact. And to look at the labor market impact, we looked at the percentage change in real labor compensation by 2030 compared to the reference scenario or the base case. And we find that the biggest drop happens in the oil and gas sector, unsurprisingly, given that it will need to reduce its emissions. And it's a sector that is overall quite important for the overall economy. The electricity sector, even though it will reduce its greenhouse gas emissions, will benefit from increased real labor compensation due to the fact that there'll be a shift from fossil fuels to carbon neutral or renewable sources of electricity generation. Donc, les effets sur le marché du travail ont été considérés par secteur. Et sans grande surprise, on trouve que l'impact de la rémunération sur la rémunération globale va être négatif dans la plupart des secteurs, avec l'impact le plus négatif dans l'industrie pétrolière et gazière, ce qui n'est pas surprenant considérant la nature du secteur. Et on trouve aussi un impact positif sur le secteur de la production d'électricité, malgré le fait que le secteur va réduire ses émissions de gaz à effet de serre, la transition d'un secteur qui utilise en bonne partie les énergies fossiles à la production d'électricité par des sources neutres en carbone ou des sources d'énergie renouvelable fait en sorte que la rémunération globale de ce secteur-là va augmenter. L'aspect important va être ensuite sur les effets économiques des réductions de gaz à effet de serre sur l'ensemble de l'économie. Donc, on a distingué deux aspects différents. On a distingué les redevances sur le carbone et le système de tarification basé sur le rendement. Et on estime que l'augmentation du prix du carbone à 170 $ la tonne, ainsi que le système de tarification basé sur le rendement, va réduire le PIB d'environ 0,8% en 2030 et que les politiques non tarifaires, donc l'ensemble des politiques réglementaires, des subventions, des crédits d'impôt, des déductions fiscales pour réduire les émissions du Canada,
vont avoir, quant à elles, un impact négatif de 0,6% sur le PIB, pour un impact combiné sur le PIB en 2030 de moins 1,4% en niveau. Et on arrive aussi à un prix implicite de l'ensemble des mesures non tarifaires de 91 $ par tonne de CO2. Et c'est un scénario optimiste. On suppose que les impacts non tarifaires, donc les règlements, les subventions, sont mis en œuvre de la façon la plus efficace possible, ce qui est une hypothèse qui est quand même assez optimiste. So the economic impact on all these greenhouse gas emission measures, we estimate them in two parts. So on the one hand, there's the carbon levy and the output-based pricing system. So the carbon levy rising to $170 per ton of CO2 by 2030, and the progressively more stringent output-based pricing system. We estimate that it will reduce emissions by 96 megatons by 2030, but will also result in a negative impact on the GDP by 0.8% by 2030. On the other hand, the non-price policies, so the regulations, the subsidies, the clean fuel standards, for example, will have an impact of 0.6, negative impact of 0.6% on GDP by 2030, but will also reduce emissions by 71 megatons by 2030. We have estimated that these non-price policies have an implicit cost of $91 per ton of CO2, and that's in an optimistic scenario where these non-price policies, the regulations, the subsidies, the tax credits and tax deductions are implemented as efficiently as possible, which is, granted, it's a bit of a stretch because we don't know that for sure, but we have made that assumption. So the implicit price of these measures could be higher if the implementation is less than optimal. So in summary, raising carbon price to $170 per ton will reduce emissions by 96 million tons. And to achieve a reduction of 168 megatons, non-price policies will have to be implemented, and these will have costs, which we estimate at least $91 per ton, or the equivalent of $91 per ton of CO2 equivalent. There will be a negative impact on GDP of all these measures of 1.4% by 2030, and these do not include the April announcement that came after Budget 2021, for further reduction in emissions of between 30 and 66 megatons of CO2. En résumé, le fait de porter la tarification du carbone à 170 $ la tonne réduira les émissions de 96 mégatonnes d'ici 2030. Pour les réduire de 168 mégatonnes, il faut également recourir à des politiques non tarifaires. Et ces politiques non tarifaires-là ont aussi des coûts, que nous évaluons à au moins 91 $ par tonne d'équivalent CO2. Et l'ensemble de ces mesures pour l'atteinte des cibles a un coût sur un effet négatif sur le PIB de 1,4% d'ici 2030. Ces chiffres-là, l'ensemble de ces chiffres, ne tient pas compte de l'annonce d'avril post-budgétaire de réduire les émissions par un montant supplémentaire de 30 à 66 millions de tonnes de CO2. C'est tout pour moi. I'll be happy to take your questions. Donc, I'll stop there, puis ça va me faire plaisir de prendre vos questions, si vous en avez, bien sûr. Christiane, vous avez la première question? Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien avec l'audio ou je devrais choisir le chat? Je vous entends très bien. Parfait. Merci beaucoup, M. Giroux. En fait, au départ, j'essaie de comprendre... en fait, si on regarde en plus le rapport du GIEC d'aujourd'hui, puis on regarde ce que vous nous dites aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que pour aujourd'hui, le signal d'alarme pour le Canada est double? Et si oui, pourquoi?
J'ai pas pris connaissance en détail du rapport du GIEC. J'ai été très occupé aujourd'hui avec ce rapport-là. Mais ce que je peux dire à propos du rapport que nous publions aujourd'hui, c'est que les gens vont souvent avoir l'impression qu'il suffit qu'on peut éviter certaines mesures, puis qu'on peut uniquement décréter par règlement qu'on va avoir des normes plus sévères en matière d'émissions de gaz à effet de serre ou encore qu'on va instaurer des subventions et des incitatifs pour modifier les comportements. Ce qu'on estime dans le rapport, c'est que ces incitatifs-là et ces autres mesures ont, elles aussi, un coût. Bien qu'ils ne soient pas explicites et transparents, ces mesures-là ont, elles aussi, un coût qu'on estime à 91 $ la tonne. Et que une autre des conclusions du rapport, c'est que l'augmentation de la tarification du carbone à 170 $ la tonne ne sera pas suffisante pour atteindre les cibles de Paris et ne sera pas non plus suffisante pour atteindre les cibles, que le Canada s'est lui-même fixé d'aller au-delà de l'accord de Paris. Donc, les mesures tarifaires sont nécessaires, mais pas suffisantes. Les mesures non tarifaires ont, elles aussi, un coût qu'on estime à au moins 91 $ la tonne. Merci. Je lisais dans le rapport qu'il y a certaines choses qu'on devra faire suffisamment ou qu'on devra accélérer. Par exemple, parlez-moi du programme pour les voitures électriques, par exemple. Est-ce qu'on a suffisamment de voitures électriques sur nos routes présentement? À quel niveau on devrait être pour que ce soit suffisant à ce niveau-là? Dans le rapport, on a donné des exemples de mesures qui pourraient permettre d'atteindre les cibles additionnelles que le gouvernement s'est données après le budget. Donc, quand le premier ministre s'est engagé à aller au-delà de ce que le gouvernement avait déjà promis. Et on a donné juste quelques exemples pour montrer l'ampleur de la tâche une fois que toutes les autres mesures auront été mises en œuvre. Et un des exemples qu'on donne, c'est qu'il faudrait que la moitié des nouveaux véhicules soient des véhicules électriques entre 2022 puis 2030 afin qu'on réduise les émissions de gaz à effet de serre pour atteindre ces cibles additionnelles-là. C'est uniquement des exemples. Un autre exemple, c'est qu'on devrait utiliser des petits réacteurs nucléaires dans l'exploitation des sables bitumineux afin de réduire les gaz à effet de serre. Et c'est pour montrer l'ampleur de la tâche, bien que les réductions additionnelles semble relativement modeste lorsque on inclut les autres. C'est des mesures qui vont exiger des efforts quand même considérables dans l'état actuel de la technologie. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement ça qui va devoir être fait, mais dans l'état actuel des connaissances, c'est le genre de mesures qui vont devoir être prises. On n'est pas sur la dernière question. On n'est pas sur le point d'atteindre nos cibles avec les mesures qu'on a en place, si je comprends bien. En résumé, pour monsieur, madame, tout le monde. Pas les cibles additionnelles que le gouvernement s'est données. Donc, les cibles que le gouvernement s'est engagé à atteindre en vertu de l'accord de Paris, puis même les cibles du budget de 2021, les mesures vont avoir des coûts et on a estimé les coûts, mais on n'a pas estimé les coûts ni la faisabilité des mesures additionnelles que le premier ministre s'est engagé, vis-à-vis desquelles le premier ministre s'est engagé après le budget. Merci beaucoup. Chris, you have the next question. Hi, yes. My question is, you mentioned in the slides and in the report that there's a 10.6% change in the real labor compensation in the oil and gas sector by 2030 from the carbon levy in the energy sector. Can you tell me how you determined that? And did you look at the specific job losses within that figure? I'll turn to the authors of the report, Tim Scholz and Philip Bagnoli. They're the brains behind the report. So I'm just the pretty face. That's a joke. Hi, Chris. Yeah, I can answer that question. So basically in our model, the way it's structured, it sort of solves for what's called like a steady state in which workers that lose their jobs in one industry will immediately just sort of be reallocated to different sectors and find jobs in others. So for that reason, we didn't post the labor market impacts in terms of job losses. What we did is to calculate real labor compensation. We looked at how many workers were leaving the oil and gas sector and reallocating to other sectors.
as well as the change in the real wage rate in that sector. So that sort of combined impact represents the change in real labor compensation. Okay. Was there an actual number then that you generated that you're able to share with regarding potential losses? That's my first question. And the second one, just to follow up, is on the economic impacts, did you look at it from a regional or provincial levels, and are you able to share those as well? Thank you. So I can just answer that. We don't have any breakdowns on a regional level in our model. So we aren't able to do that just by sector. But what we can do is go back and look through some of the outputs of our model and see if we can have anything that will get at your question there about the employment impacts. But I don't think we would be able to provide anything in terms of job losses per se. And we also don't have a regional impact. We did that at the national level. If we did that at the provincial or regional impact, it would significantly complicate the simulations and the model. Thank you. Je pourrais avoir une autre question si personne est en ligne pour en poser une autre. Ça semble être le cas, donc allez-y, Monsieur Noël. Dans la façon dont on regarde ce qui est fait en ce moment et ce qui devrait être fait, est-ce que j'ai lu, corrigez-moi si je me trompe, est-ce que j'ai lu quelque part que ce qu'on sait déjà que le gouvernement veut faire nous mènerait à la moitié de la cible de 40 à 45% annoncé au sommet que M. Biden. Donnez-moi un ordre de grandeur, s'il vous plaît. Je ne suis pas sûr d'avoir compris ce bout-là. Je ne crois pas qu'on a mentionné ça. Ce qu'on a dit, c'est que le gouvernement semble avoir les mesures nécessaires pour atteindre sa cible de 468 mégatonnes, donc ce qui est dans le budget 2021. Mais je ne crois pas qu'on s'est prononcé sur les mesures, à propos ou la suffisance des mesures pour passer de 468 à 438 ou 402, tel que le premier ministre s'est engagé avec M. Biden. Donc, on ne s'est pas prononcé là-dessus parce qu'on n'a pas encore suffisamment de détails. On a donné des indications pour donner un ordre de grandeur sur le type de mesure qui pourrait être nécessaire, mais c'est évidemment pas ça qui va être choisi. C'était uniquement pour donner une idée de l'ampleur de la tâche. D'accord. Donc, je viens de voir où je m'étais trompé. C'était ce que vous disiez, c'est l'augmentation de la redevance fédérale à 170 $ la tonne aideront à atteindre plus de la moitié de la cible de 168 mégatonnes. Donc, excusez-moi, c'est moi qui avais mal interprété. Somme toute, est-ce qu'on est en bonne voie ou on a encore beaucoup de chemin à faire? On est en bonne voie, c'est toujours un peu tôt en 2021 lorsqu'on vise des cibles en 2030. Les mesures semblent être... Infographie sur notre site web qui illustre l'effet des politiques et des cartes restantes. Donc, ça pourrait clarifier juste un petit peu vos questions. Parfait, je vous remercie beaucoup, je vais y jeter un coup d'œil. Dernière question pour moi, c'est pour monsieur, madame, tout le monde qui nous écoute aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils doivent retenir de ce qui reste à faire? Ce qui reste à faire, c'est d'expliquer aux Canadiens comment on va passer de 468 millions de tonnes à l'engagement que le premier ministre a pris avec M. Biden de réduire davantage les émissions pour les faire passer à quelque part entre 402 et 438. Donc, pour ça, les mesures ne sont pas encore claires, ni les mesures, ni leurs coûts. Merci beaucoup, M. Giroux. Merci à toute l'équipe. Ça me fait plaisir. Any other questions? Okay, over to you, Melissa.
Thank you, everyone, for attending today's briefing. If you have any additional questions, please don't hesitate to contact our office. Merci d'avoir assisté à la séance d'information aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter nos bureaux. Merci, bonne journée.